découvrir une nouvelle lettre. À votre avis, quelle est cette lettre? Tiens, on va jouer aux devinettes pour le savoir. Alors écoutez-moi bien. Je suis la lettre de l'alphabet que vous pouvez entendre dans les mots zoo et zèbre. Alors les enfants, bien joué. C'est la lettre Z, bien sûr. La lettre Z se prononce entre les dents, avec la bouche un petit peu ouverte, et donne le son Z. Pour écrire la lettre Z en minuscule, je procède comme pour écrire la lettre R. Je commence par un petit trait qui monte, je fais une petite boucle, puis un trait horizontal, et je descends pour faire une grande boucle, puis je remonte à la ligne. Maintenant, on va former des syllabes avec la lettre Z, comme ce qu'on a fait avec les autres lettres. On va la mettre avec les voyelles. Un petit rappel des voyelles, les enfants. A, O, I, E, E accent aigu, et U, Y. Maintenant, j'attache la lettre Z avec les voyelles. Z et A, ZA. Z et O, ZO. Z et I, ZI. Z et E, ZE. Z et E, ZE. Z et U, ZU. Z et Y, ZI. Je relis les syllabes. ZA, ZO, ZI, ZE, ZE, ZU, ZI. Maintenant, on va lire des mots. Regardez bien. J'ai découpé les mots en syllabes pour qu'on puisse lire facilement. ZUT. J'explique. C'est un mot que je dis quand je suis en colère. Par exemple, ZUT. J'ai fait tomber le verre et il s'est cassé. Le zoo. C'est le parc où on peut aller voir les animaux sauvages, derrière leur cage bien sûr. Le zèbre. C'est l'animal rayé en noir et blanc qu'on a découvert avec les animaux de la savane. Zigzag. En graphisme, on a vu les lignes en zigzag. C'est des lignes qui montent et qui descendent. Zéro. C'est le chiffre zéro, bien sûr. Magazine. C'est un journal illustré, c'est-à-dire dans lequel il y a des photos. Je relis les mots, les enfants. Zut. Le zoo. Le zèbre, zigzag, zéro, magazine. Bien, on va passer à la lecture de la phrase. C'est une phrase qui est formée de quatre mots. Pareil, je les ai découpés en syllabes pour qu'on puisse lire facilement. Zidane, regarde. Le lézard. Je n'ai pas prononcé la lettre D parce que c'est une lettre muette. Zidane, c'est le prénom d'un garçon. Qu'est-ce qu'il fait Zidane? Il regarde. Il regarde quoi? Il regarde le lézard. Le lézard, c'est un petit animal reptile qu'on a déjà vu. Je relis la phrase, les enfants. Zidane regarde le lézard. Bien, voilà pour la leçon d'aujourd'hui. Je vous envoie des fiches écriture pour vous entraîner à bien écrire la lettre Z. Relisez bien les mots et la phrase. Et comme on a l'habitude de faire, continuez à chercher des mots avec le son de la lettre Z. Allez, au revoir les enfants!